chose d'un petit peu plus intéressant? Enfin, c'est pareil, c'est du basique, mais... Ça joue Tiki Piston ce coup-ci. Donc c'est mon bunker. Voilà, excusez-moi, il y a un petit lag. Donc je ferai un lagomètre également. Bah, je vais peut-être le faire devant vous. Bon, bah bref, hop, allez, on est parti. Donc je vais tout casser. Donc à vous. Donc ceci est un inverseur, hein, tout simplement. Donc une porte inverseuse, une seconde porte inverseuse. Donc elle ne reçoit pas de courant, elle en envoie. Donc elle en envoie directement dans les sticks et pistons. Et donc quand elle en reçoit. Voilà. Quand elle reçoit du courant, elle s'éteint. Et donc les sticks et pistons se désactivent, se mettent à zéro. Ce qui me. Ou ce qui en fait m'ouvre la porte. Tout simplement. Allez, on va tout casser. Voilà, donc. Je sais pas si je casse vraiment tout ou pas. Donc en plus je dois modifier parce que j'ai fait des petites bêtises. Voilà, je peux plus passer sur la... Voilà, donc là, pour casser. Et que je vais aussi améliorer le système parce que. Voilà. Donc voilà, hein, c'est tout simplement relié à deux fils. Donc par contre ici, je vais inverser cet inverseur. Parce que ça fait peur. Et ceci je lis. Veuillez m'excuser. Bon donc voilà, excusez-moi, j'ai encore une petite coupure parce que j'étais occupé. Alors. Voilà, tout simplement. Donc ici donc quand j'active l'interrupteur, hop, le fil là ici s'active désactive la torche. Et ici donc le courant passe, s'en va, passe par ici, repasse par là et désactive cette torche. Voilà, il y a un petit temps de décalage, hein, mais ça ne se pas. Oups, bon voilà. Donc voilà, donc ça c'est encore assez basique, hein, et c'est avec deux portes inverseuses seulement et quatre sticky pistons. Allez, je rebouche. Pourquoi je mets pas de bloc là? Tout simplement parce que si je mets un bloc là, ici le câble est coupé. Voilà, bon. Donc voilà, donc ça c'est deux circuits que je vous ai montré. Je réfléchis à un autre circuit. Je sais pas où il est en plus exactement. Après, hein, il y a le système de ma tour à mob, mais ça revient au même. Hein, c'est le même système que mon... à peu près le même système que mon... D'accord, ok. Ça, les gars, c'était pas nécessaire. Ma tour à mob qui est là-bas. Donc je sais pas pourquoi, quand je joue sans fraps, franchement je vais nickel. Quand je joue avec fraps, les chunks ont beaucoup de mal à charger. J'ai des loots. Ah oui, je vous montrerai le système de lampe, hein. Je pense que vous l'avez compris. Voilà. Ah ouais, je vais peut-être baisser le son quand même du... Ça, c'est vraiment... et encore si je vois qu'il y a trop de mobs, hein, je coupe entièrement son. Alors je vais commencer donc par le système là de lampe. Donc hop, je vais juste partir en dessous
Que je dis pas de bêtises. Voilà. Donc vous voyez, donc mon sticky piston est ici, voilà, là, donc actuellement allumé. Pourquoi allumé? Moi-même là, je comprends pas pourquoi il est allumé. Comment ça se fait qu'il est allumé? Il n'y a pas de réaction qui arrive. Ah oui, exact. C'est parce qu'en dessous, en fait, il y a un inverseur. Là, voilà, ça c'est un inverseur. Ouais, et c'est pas malin du tout ce que je viens de faire. Bon. Oh, bon. Bon, vous avez compris le truc, hein. C'était un inverseur, tout simplement. Un sticky, donc le sticky piston, je viens de le récupérer. Donc quand vous cassez un sticky piston, vous le récupérez, hein. Raté. Bon, ça fait rien, je le placerai à la fin. Bon. Ici donc, pareil, ça part vers un inverseur, à mon avis. Je vais remonter. Évidemment, le sticky piston, bah, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas récupéré sur ce coup-là. Alors, je le vois pas. Bon. Voilà, hein, puis je place tout simplement un verre au-dessus. Voilà. Donc pareil, hein, ici, donc là derrière, là, il y a un système, je sais plus comment il est, je sais même plus comment il est fait, mais ici, donc il y a un système, hein, de redstone. Voilà, donc... voilà, donc il y avait un inverseur, je disais, derrière, hein, qui repart ici. Là, 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 là. Voilà, et qui va activer donc le piston qui est là, juste là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est simple. Alors, donc ça c'était pour ma fameuse porte. Alors d'habitude je tape jamais cette commande là dans ce monde là, étant donné que c'est plus amusant avec les mobs quand même. Et je vais vous montrer donc mon système de lampe. Alors c'est tout simple, c'est même extrêmement simple. Donc c'est simple, il y a simplement une plaque de pression, un fil de redstone, donc qui part en dessous, donc c'est juste de la redstone, il n'y a rien d'autre. Il y a peut-être un répéteur entre deux, pour éviter d'avoir une coupure. Ici, là, ici, c'est un inverseur, tout simplement. Vous voyez, ici, donc, il y a un inverseur. Qui inverse donc le courant, de façon à ce que la lampe soit éteinte quand il n'y a pas de loot, et s'allume quand il y a des loot. Exemple. Enfin, démonstration. Bah, il y a un loot qui vient d'arriver, bien sûr. Donc, la redstone s'allume. Ici, l'inverseur donc s'éteint et ma lampe s'allume. Aussi simple que ça. Voilà, donc ça ce sont des tout petits circuits en redstone, hein. C'est trois fois rien, c'est même minuscule comparé à ce que font certains, mais c'est actuellement ce qui existe sur le serveur. D'accord, donc apparemment quand je fais un...
quand je fais un clic droit apparemment, il me dit avec... bizarre, pourquoi il me fait ça? Apparemment quand je fais un clic droit avec avec une toile d'araignée, enfin un clic gauche avec une toile d'araignée, il me dit les différentes caractéristiques de la tour. Donc même le prix. C'est génial. Donc vous voyez, hein, ma tour à mom m'a coûté 100 000 euros. C'est rien comparé à la snow chest. La snow chest m'a coûté 3 millions. Même 4 millions. Donc voilà. Le prix de ma tour à mob est nettement négligeable comparé à la snow chest. En plus très pratique, hein, très rentable.